aujourd'hui la victoire est indispensable, sinon c'est l'élimination. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva. Bref, au menu, c'est le dernier match de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. La Jamaïque face au Brésil. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Les titulaires pour la Jamaïque. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Alors, parlons un peu des Brésiliennes. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. C'est le coup d'envoi dans ce match de poule de Coupe du Monde. Jason. Et le ballon change de propriétaire. Ah, voilà qui est bien joué, elle ne perd pas le ballon. Ouais, apparemment, il y a une position de hors-jeu. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ça part bien, attention, il y a danger. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. On se demande pourquoi choisir la force quand on est si près du but. Le centre au deuxième poteau. Et le ballon part bien. Et le bon réflexe là. Ah, le corner bien tiré. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Sacrée frappe, mais c'est à côté. Et une passe lobée pour créer le danger. Allez, hors-jeu signalé par l'arbitre sur cette ouverture dans le dos de la défense. Oui, mais l'appel des balles avait un temps d'avance. La défense ne s'est pas laissée piéger. Bonny, le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc.
et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Raphaël. Caroline. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. Ah non, dommage, pas très bien donné ce ballon en profondeur. Zanerato. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et ici l'occasion pour mener. Oui, joli réflexe. Ouais, nouvelle intervention, le ballon est bien capté. Carter. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Oh, il y a encore le feu. Encore une chance. Excellente défense dans la surface. Et attention à ce centre. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là tu déclenches la foudre. Qu'est-ce que c'est beau, man. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Solon. Allez, les Brésiliennes dépossédées du ballon. Marta. En très bonne position. Oh, ça fait but, coup sur coup. Et ça fait maintenant deux longueurs d'avance. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière, ce ballon qui monte et vient se glisser juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus, mais ça fait but quand même. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Voilà, ça c'est un bon centre. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Tranquille. Eh oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Ouais, s'en sort bien là-dessus avec un simple avertissement verbal. L'arbitre a choisi la prévention plutôt que la répression. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Ballon intercepté. Finalement, le centre ne donne rien. Ah, il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. Ah, le marquage empêche cette tête d'être dangereuse. Solon. Oui,
coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. Ah, bien joué dans la profondeur. Oh, la bonne parade. Le corner. Swabi. Oh, la frappe. Oui, je... Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. On le voit au deuxième poteau, le ballon est relâché. Forcément, le but est facile à mettre. Mais encore une fois, ce qui compte ici, c'est d'abord l'anticipation. Si tu n'anticipes pas cette action, tu ne mettras jamais ce but. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Et voilà une séquence défensive de conservation de balle. Ah, le ballon est contré. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et ce ballon peut faire mal. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces 2 buts d'avance. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Bien vu la passe. Ah non, c'est un ballon rendu à l'adversaire avec ce hors-jeu. La passe était belle, presque trop belle même. On dit toujours que c'est l'appel qui déclenche la passe. Mais là, c'est l'appel qui a déclenché l'hors-jeu. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Oui, attention à ce ballon-là. À l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Pour Barta. Solon. Ouais, joli passe lobé. Attention. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Et voilà un bon arrêt de la gardienne. Allez, bien frappé ce corner. Oh, la belle parade sur son plongeon. Attention, c'est pas terminé. Et pourquoi pas, bien sûr, tenter le deuxième poteau.
Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Voilà, c'est mal dégagé ça, attention. Bien défendu, mais le ballon revient. Et c'est une frappe. Très bonne frappe, malheureusement un petit peu trop enlevée. On le voit dans ses stats, c'est l'ABC du football. Des bonnes opportunités créées et des buts, tout simplement. Et un ballon dans la profondeur. Aïe, 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 rien de positif finalement là-dessus. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Maintenant, il y a une erreur de transmission sur ce ballon. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Ben, c'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Marta. Et le centre dans la boîte. Oh là 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 là! But sur cette tête plongeante. Qu'est-ce que c'est bien joué! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique! Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Allez, changement donc. Oui, le long ballon. Laetitia Isidoro sans difficulté. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Oh, c'est contré! C'est bien parti pour ce corner. Oh là là, dégagement complètement loupé. Oh, la bonne parade. Il s'est dégagé par la défense. Ce ballon est intercepté. Attention à cette passe. La parade, quel arrêt sur cette action! Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. En très bonne position. Goal, 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 goal! Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage.
Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir toute la défense. La finition à mi-distance avec cette frappe. Ça y est, c'est terminé et c'est donc une victoire dans ce match de Coupe du Monde. Contrôle du match et de l'enjeu, c'est une très jolie victoire pour cette équipe.